À part les insultes, vous avez quoi dans la vie, maman Mapasa? Tu as quoi dans la vie? Chantal Bomolo, à l'âge de 20 ans, tu nous as donné quoi? Keina et Poupa nous a donné une licence à l'âge de 21 ans. Vous nous aviez donné quoi à vos âges de 21 ans? Les femmes pauvres, les femmes insensées. Maman Mapasa, attention. Keina et Poupa est plus intelligente que toi. Elle a eu une licence à l'âge de 20 ans. Toi, tu as eu quoi? À part les affaires, à part de coucher avec des hommes par-ci, par-là, toi, tu nous as donné quoi dans la vie, dans la communauté? Keina et Poupa nous a donné une licence. Toi, tu nous as donné quoi? Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique de Net TV, la place des analyses organiques. Merci pour être là pour moi, merci pour le partage des vidéos, merci à ceux qui m'ont donné la confiance en s'abonnant à la chaîne ici du Chronique de Net TV. Merci également à vous qui prenez du temps à mettre les j'aime, des likes et surtout à faire des commentaires à la vidéo ici. Je suis très 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 reconnaissant. Surtout vous les habitants de France, de Belgique, Allemagne, Irlande, Italie également. Ici en Argentine, j'ai eu le message des Argentins. Il y a des Brésiliens toujours et à Chili. Ici au Canada, n'en parlons pas. Aux États-Unis, il y a des fois, la semaine passée, j'ai totalisé 1800 messages. 1800 messages. C'est pour cela, il y a des fois que ce n'est pas facile de répondre à tous les messages puisque je fais seulement les WhatsApp. Ne m'appelez pas souvent, les WhatsApp c'est bien. Mais quand j'ai plus de 1500 messages, ce n'est pas facile à répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci à vous qui prenez du temps à m'envoyer des messages. La vidéo du Canada sera là dans quelques 2 ou 3 jours et vous ne serez pas toujours déçus comme je l'ai dit. Les affaires des Zafa, de Nicky Menga, ça commence à dépasser les niveaux, selon moi. Les gens commencent à aller trop loin, selon moi. Je pensais que faire des buzz, faire des polémiques, ça serait juste au niveau des enfants, mais au niveau des artistes, soit aux youtubeurs, aux analystes. Malheureusement que Maman Mapasa, une dame que je respecte aussi, elle fait toujours des lives. Elle-même, elle est passée au créneau en insultant les enfants de Fally Ipupa, précisément Kélia. Si vraiment tu es une dame, Maman Mapasa, si tu es une dame, si la fille là est malade, donc c'est un enfant qui est malade. Si ce qui est en Kamaï, comme tu l'as dit, des personnes qui n'ont pas de morale. Maman Mobimba, une dame vraiment qui peut faire des affaires. Quand tu t'appelles Maman Mapasa, tu insultes l'enfant de quelqu'un. Toi, tu insultes. Si un cas insulte, où est ton problème? Mais toi, je parle de toi. Toi, tu insultes que la fille coule de l'eau coule d'elle. Si c'est une maladie, tu insultes une personne qui est malade. Je suis arrimé vraiment. C'est Niki, Nana Ketchup qui m'envoie de telles choses. Nana Ketchup et Fally Ipupa qui me font mourir comme ça. Pardon, mais je ne peux pas arrêter. Maman Mapasa, à part les produits pharmaceutiques, toi tu es quelqu'un? Toi qui prends du temps pour inciter les enfants d'autrui pendant que tu as les enfants. Et si demain, tes affaires tombaient malades, vous qui incitez les affaires de Nicky Menga, vous incitez les affaires, même pas Nicky Menga, vous allez au niveau des affaires. Et si par hasard, vos affaires tombaient malades, puisque tout se paie ici-bas, toi, tu peux ne pas tomber malade, mais alors tes affaires, il faut réfléchir, passez à vos affaires. Passez à votre progéniture. Une dame qui n'a pas du respect, un impoli, médiocre la communauté, Maman Mapasa. Le comportement de Wario,
toutes les femmes qui parlent au nom de Fally Ipupa, ce sont des femmes qui n'ont pas d'intelligence. Ce sont des femmes impolies, grandies, éduquées par des personnes incapables. Il y a la fois passée, la maman Chantal, elle a insulté les affaires de Fally Ipupa, ma belle solo. Il a invité des gens à les violer, à des insultes. Incitation à la violence. Une dame, soi-disant, elle a un enfant. Tu incites les enfants d'autrui pendant que ton enfant n'est même pas encore adulte. Attends-toi aux catastrophes, maman. Toi, la petite, la pétasse de maman Mapasa. Si tu étais vraiment une femme posée, pourquoi tu as peur de montrer ta figure? Fais la vidéo chez toi d'abord. Les gens qui cachent chez eux là, ce sont des gens qui souffrent. Moi, je montre chez moi. Je montre chez moi. Si je montre chez moi, maman m'a passé, tu ne peux même pas parler. Même la dame là, Chantal, si je la montre chez moi, elle ne veut même pas parler. Mais des médiocres de la communauté, les médiocres de la société, c'est elles qui passent sur les réseaux sociaux insulter les gens. Si toi tu connais parler, tu parles français mieux que tout le monde, fais tes analyses, fais tes lives en français. Toi maman m'a passé, fais tes lives en français, qu'on t'écoute d'abord. Des insensés. Un monsieur comme Gaou, les gens qui ont chanté premier Gaou, c'est quel français il parle? C'est de quel français il s'exprime? Vous êtes tellement décomplexés. C'est pour cela que moi je n'ai jamais condamné les Belges. Je condamne toujours notre société et nos parents. Voilà des femmes qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de sens. C'est elles qui commencent qui se moquent des gens pendant que vous avez des enfants qui n'ont pas encore réussi. Maman m'a passé à toi. Ton enfant à quel âge? Elle fait quoi dans la vie? Puisque tu peux insulter Keina, tu peux dire qu'elle est une pite, oui. Mais elle a fini l'école. Elle peut être pite, mais elle a fini l'école. Toi, tes affaires sont où? Elle faut quoi dans la vie? Toi, maman, m'a pas ça. Tes affaires font quoi dans la vie? Toi, tu es qui dans la vie? Tu connais Nicki Minaj, elle a fait affaire avec Fally Ipupa. Elle a fait des chèques, comme tu l'as dit, elle a fait des chèques. Ça, c'est l'échec que Nicki Minaj faisait, c'est pour nourrir Fally Ipupa. Fally lui-même, il sait que l'échec que Nicki Minaj faisait, c'était pour nourrir sa vie. C'était à cause de Fally que la fille ici s'est sacrifiée pour détruire sa jeunesse, juste pour faire Fally du bien. Toi, tu as fait quoi à ton mari? Tu es là, un mari t'a amené peut-être à France, partout où tu es là en train de faire des lives, tu es toi. Tu as mené qui en Europe? Toi, tu as mené qui, maman? Mais Nicki Minaj a amené Fally. Grâce à Nicki Minaj, Nana Ketchup a fait des papiers. Grâce à Nicki Minaj, Nana Ketchup a fait des affaires à Paris. C'est grâce à Nicki Minaj. À chaque fois que vous faites des choses, des allusions positives à Nana Ketchup, à Fally, 50% l'honneur revient à Nicki Minaj, puisque c'est elle qui était la source du bonheur de tous ces gens-là. C'est elle la source de la vie nouvelle de Nana Ketchup. Source de la vie nouvelle de Fally Ipupa. C'est elle. Que vous le voulez ou pas, c'est elle. Mais vous aviez fait quoi dans la vie? Regarde-moi les femmes qui n'ont pas de valeur dans la communauté. Et puis il y a un mari qui te regarde en train de faire des lives. Nana Koloba, tu vas dire quoi? Depuis que tu fais des lives, tu as déjà dit quoi d'important? Qu'est-ce que tu as dit d'important qui entre dans la tête des gens? À part des insultes sur les réseaux sociaux. Toi, maman, m'a pas ça. Tu penses qu'être clair, avoir la peau claire, c'est ça, avoir la beauté? Si la peau claire était signe de beauté, les blancs vont dire quoi? Si être clair, maman, si être clair à peau, c'est signe de beauté. Qu'est-ce que les blancs vont dire? Puisqu'ils sont clairs que toi. Mais il y a des fois, vous citez les blancs qui ne sont pas jolis. Cela veut dire que la beauté, ce n'est pas le teint. Il y a des personnes naturelles. Regarde Naomi Campbell. Pourquoi elle a toujours sillonné, elle a toujours rayonné? Même Didi Stone, rayonné.
pourtant ils n'ont pas mis des produits pharmaceutiques comme vous. Bangoubi, ta vie est sur les mekako, jaribu. La vie que tu fais, tu penses que tu es plus, tu dépasses qui? Tu vois là la fille ici, MLTV News. MLTV News. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas, je la vois sur les réseaux sociaux. Je la dis bonjour en passant à Belgique, là où elle est. Quand tu la vois parler, tu sens qu'elle a, elle a quelque chose dans la tête. Quand tu la vois parler et faire des lives, c'est comme si elle a un homme là. C'est comme si elle a un homme. Elle contrôle la façon de parler. Elle contrôle la façon de faire ces choses. Pas comme toi. Toi, maman, est-ce que tu as vraiment la capacité de gérer, de parler comme une personne responsable? Madeleine M. Napesio Mboti, là où tu es. Il y a beaucoup de personnes, si je commence vraiment à dire bonjour à celui-ci, celle-là, on va dormir ici. Mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur, vous les tontons, bande konangai, naza noko yabana nabino, je suis mouyomba, yabatoto, tout. Mais la dame ici, il faut que je la remette à public. Comme j'ai fait Chantal Bomolo, aujourd'hui elle a compris qu'on ne blague pas avec tout. Elle, maintenant elle commence à insister. Regardez la façon dont elle fait ses vidéos. Elle les fait avec maîtrise. C'est pas comme avant. Mais maman m'a passé ici. Elle a mis sa photo. Quand j'ai fait la vidéo, elle dit que la kisabiso est longue. Elle a mis photo, mais voici. Oyoka qui message. Mais tellement que tu es folle, tu n'es pas intelligente. Tu penses qu'être clair, c'est la beauté, c'est la signification de beauté. Tu t'es trompé. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Ta façon de parler montre qu'il y a des bassesses dans ta vie. Ta façon de parler, c'est comme s'il n'y a même pas un homme derrière toi. Tu es une femme zralala. Ça c'est selon moi. Selon moi, selon mes analyses. Et ne fais même pas de vidéos de retour, puisque je vais venir comme un avion, comme les jets de la Russie. Voilà les gens qui disent qu'ils sont les supporters de Fally Ipupa. Ils viennent détruire les Wario au nom de Fally. Est-ce qu'un Wario qui réfléchit peut insulter la femme de Fally Ipupa? Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Fally Ipupa, lui-même, il a dit que Keina, c'est ma fille. Vous pensez que... Maman m'a passé, tu penses que c'est toi qui avait donné à la fille ici, à Keina, le nom de Ipupa. C'est Fally qui a donné. Tina Ipupa est là. Si vous êtes vraiment normal, pose la question à Tina Ipupa. Si les affaires ici n'appartiennent pas à Fally. Pose la question à Tina Ipupa. Tina va te dire que ce sont les affaires de Fally. Tellement que vous êtes des aigris. Vous avez fait des affaires avec des hommes multiples dans la vie. Vous pensez que tout le monde est le même. Pour vous, c'est impossible, c'est inconcevable. Une femme comme Nicki Menga d'avoir des affaires seulement avec Fally. Pour vous, c'est impossible. Vous pensez que les gens, quand ils couchent avec les gens, c'est pour seulement faire des affaires comme vous. Vous couchez, vous faites les affaires avec Kingani. Trois affaires avec trois différents pères. Soit trois affaires avec des papas. Tout le monde n'est pas comme toi, maman, ma passe. Tout le monde n'est pas comme Chantal Bomolo. Tout le monde n'est pas comme vous. Vous avez raté l'éducation de base. Vous avez raté l'éducation même primaire, l'éducation secondaire. C'est aujourd'hui que vous cherchez de l'éducation. On comprend maintenant pourquoi Fally a des difficultés. Pendant que c'est un artiste vraiment du talent. Mais les gens comme vous, vous bloquez l'évolution de Fally Ipupa. Vous bloquez l'évolution de Fally. C'est comme si il y a quelqu'un qui vous a envoyé pour venir détruire la vie de Fally. Une dame qui a vraiment des nerfs solides. Une femme qui a des capacités intellectuelles. Une femme qui est conçue d'une autre maman. Une femme qui est venue de là comme d'autres femmes. Toi qui as déjà fait des affaires, tu excites les affaires d'autrui. Est-ce que tu connais la douleur de l'enfantement? Si tu connais la douleur, la façon dont les mamans crient dans des hôpitaux juste pour avoir l'enfant, tu dois respecter d'autres femmes. Si vous allez vous insulter entre vous,
C'est normal. Insulter Nicki Minaj, elle coupe son corps, comme vous avez dit, pour faire n'importe quoi. Ça, c'est normal. Insulter là. Insulter Nana Ketchup, c'est normal. Insulter Fally, c'est bien. Mais vous allez jusqu'où aller. Les enfants, vous les insultez vraiment sur les réseaux sociaux. Et puis tu dis, Nayebi, je connais, j'ai des informations. Tes informations-là, toi, tu n'as pas d'informations. Ta vie est faite comment? Des personnes comme vous, avant que vous puissiez avoir vos hommes d'aujourd'hui là, vous aviez fini avec avec l'amour scolaire, vous avez passé avec beaucoup de jeunes dans l'école. C'est les personnes comme vous au coucher avec vous dans des écoles, dans des toilettes, mais personne comme toi. Par exemple, une dame comme Chantal, et maman m'a passé. Vous là, ce sont de, vous êtes, vous représentez des femmes faciles. Vous représentez des femmes faciles faciles à manger, à avoir. Est-ce que maman chante, maman, ce que j'aime pas comme maman, ce qui maman m'a pas ça. Toi, tu peux dire non à un homme mobile, y a yé, ou bien non. C'est des femmes comme vous, sont des femmes infidèles dans la vie. Quand tu fais des émissions, il y a quelqu'un qui mobile à Kobenga ou Kaka, vous allez parler, ah, boni boni, à Bengio, deuxième, trois fois à Kobenga, à Betty Peyo, bah maman m'a pas ça, bah si moko, y a pamba, pamba, y a. Parce que on reconnaît une femme facile, Nabilobela. On reconnaît une femme facile à voir, Nabilobela. Mutuloko la Chantal. Moi, si wana. Déjà, il y a à l'écran à plus de 40 hommes. Na vitam sur 50 garçons. Si gana ki moubange. Akobo ya moutou. Parce qu'il y a célibataire. Na ki jeunesse, il y a une chance à cause de mi bali. Si ka lelo a zana ngote. So ki azuka ya moutou akoloba. Yakobo ya. Yakobo ya. Yakobo ya. Si ka mama oyu. Aza ko misape, tala mbuzu, tala nini. Aza ko loba pe, aza ko siri sake, bana bazana boye, basala boye, nana, soki nikime, nani mwana keina, aza ko finga na keina, mbana na yo, bazana lisansi. Boza aji moko na niki, ye niki aza na bana ya lisansi, yo zana mwana aza na lisansi, na vina yo. Oza na mwana, aza na lisansi na maboko, ata sekondere, oza na bango, yo komi kole la simatele ya kamera. Lo bak, toza ko, opepi, siyo ka bato oyu, kaka bango, tozo tonga, toza, ozo tonga, mutu a tonga ka lo bakate. Mutu aza ko tonga lo bakate. Soki na zuita na kola kisayo, na kola, benganga, na la kisayo, ndenge batonga ka. Batonga ka bongo. Ozo ken ko tonga na Kongo, bato, Kongo, engineer nini aza ko na ko tongilo, nda kupena ya malonga. Banda koza okoya kwa na Kongo wana mazako ko tonga pre 2 3 anda koza kokwe ya etage kutu yo ko tonga nda kwa nini na bambongo na bizwa ya biloko ta koto oza ko forcer vie tala neti alati na lati na tali photo ya mama ngo soki mama mapasa atie bosho na pantalon jeans azo matisango pe mama ya boy kolata pe oyebite mi ngana lata kanangate nebi kolata ti wana mutu na koloba nga vérité mais ibino batu oza koloba bino nde wabino. Bola ki sa kape na ba exemple. Comportement oza nangote. Bizale le zate. Charisme zate. Tiye koma mama. Tiye koma. Quand tu vas inciter les affaires des gens. Fally a fait de assuyer pour avoir les affaires. Il a eu des problèmes à cause de ces affaires là. Et puis, quand Fally commence à avoir la stabilité dans son foyer, vous amenez des désordres encore. Et puis quand Kabino batouza na posa, Fally puisse réussir na conseil. Vous avez déstabilisé Fally. Vous déstabilisez la vie de Fally pour pas vous les mamans bêtes bêtes là. Niki, menga oyo. Toi et Niki. Est-ce que vous avez la capacité à yako solo, capacité à yako loba? Na mon na landa vidéo une fois ya Niki menga kaka une fois. Mais ba misusu za kaiba 3 30 secondes 15 secondes na ba soki nini na ba brazan ba place bele bele ba na France wana boza kufinga pe mobali nini bo est-ce que nikimenga azana nini na contrat ya kolaksa bino mobali depuis quand pour vous là vous n'avez même pas de mari, vous n'avez même pas de mari de nuit. Vous n'avez pas de mari de nuit. Les maris simples, vous n'en avez pas. Mais vous voulez connaître les maris de Nicki Minaj. Une femme qui n'est pas la femme des réseaux sociaux. Vous, votre vie, c'est vivre derrière les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, vous n'allez même pas payer vos loyers.
Maman n'a pas ça réseaux sociaux. Oko futanda kuyo. Tu passes plus de 2 heures, une femme, 2 heures d'état. Ozolo boyebi via Niki. Et toi, tu connais vie de Niki? Paparazzi, ce qui osa solo paparazzi. Ça la paparazzi quand on a ma photo, ma vidéo, y'a Niki total ayo. Parce que oyebi Niki. Dans la maman oyo. Maman moko boza ko lobaza ko finga makasi. Donc, vina bino kaka bo lali bo la mouki obandi ko finga batu. Ban, nga soki mouto a finga jimafu. Me ko finga mwana ya mutu. Mwana ya mutu. Tam su ban ango pe ba leki bino. Maman Chantal, oh soki maman Chantal. Est-ce que toi tu as étudié par rapport à ya Kena ipopa? Maman ma passe. Toi tu as étudié par rapport à Kena à l'âge de 21, 22 ans. Elle a une licence. Toi tu as eu quoi? À l'âge de 22 ans, tu as eu quoi? À part les hommes, tu as eu quoi? Maman Chantal, à part les hommes, à l'âge de 22 ans, toi tu as eu quoi? Keina a eu une licence. Vous aviez quoi? Vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien dans la vie. Vous cherchez sur les réseaux sociaux. Mais la fille là ne se cherche pas sur les réseaux sociaux. Elle vit sa vie, elle travaille. Vous ne travaillez pas. Vous ne vivez que des insultes des réseaux sociaux. Bonjour Nini. Vous avez quoi dans la vie? Regarde-moi les mamans ici. Vous avez quoi dans la vie?